surprise. Le footballeur Jonathan Léjard en a certainement manqué au volant de sa Porsche. Aux alentours de 5h30 ce matin, il est entré de plein fouet dans la supérette d'une station-service. Les dégâts sont importants, ils sont estimés à plus ou moins 300 000 euros et les 12 employés de la station se retrouvent temporairement au chômage. Jonathan Léjard, qui n'en est pas à son premier dérapage, conduisait en état d'ivresse. Il y a 3 ans, il s'était vu retirer son permis pendant un mois et condamné à des travaux d'intérêt général.